dans 2 jours, je rentre dans la communauté Saint-Jean au postulat. Et il y a 6 ans, j'ai passé mon concours de médecine parce que je voulais être dentiste. Et j'ai eu mon concours et tout de suite après, j'ai répondu oui à l'appel du Seigneur. Et j'ai confié ça à mes parents et qui m'ont demandé de terminer mes études. Et donc j'étais partie sur un cycle de 5 ans. Et donc ça a été 5 années assez difficiles et en même temps très belles. Difficile parce qu'il fallait que je reste fidèle à cet appel. Et en même temps très belle parce que je me donnais à fond pour un métier que j'adorais vraiment et que j'adore toujours. Et donc il y a 2 mois, j'ai soutenu ma thèse devant un jury qui a été particulièrement bienveillant et qui m'a proposé plusieurs postes passionnants pour l'année prochaine. Et c'est là que j'ai annoncé que j'avais un autre appel et que donc à la place, j'allais m'enterrer au fin fond de la Bourgogne dans la vie religieuse. Et ce qui a été très beau, c'est que c'était des personnes loin de la foi et donc je m'attendais plutôt à des réponses plutôt négatives. Mais en fait, leur réponse a été très touchante, incroyablement bienveillante et les gens ont été d'autant plus touchés que je me sois donnée à fond et que j'ai tout terminé et que maintenant je pars avec un diplôme en poche et que mon choix est donc libre. Et le témoignage qui m'a le plus touchée, ça a été ma directrice de thèse, qui est quelqu'un loin de la foi et qui pourtant m'a écrit qu'elle n'était pas du tout déçue, mais qu'au contraire, elle trouvait ça magnifique en écrivant que la vie religieuse c'était un don et que donc ce don ne devait pas être refoulé. Et elle a conclu en disant que de la même manière que le soignant est appelé à donner sa vie aux autres, le religieux lui aussi va donner sa vie pour les autres. Votre fruit de mort.